Donc, vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Tout le monde est là? Tout le monde est là avec moi aujourd'hui? Excellent. Donc, bienvenue à votre pause active participation présentée par Move50+. Je m'appelle Annick Beaulé, puis je suis bien heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Vous savez, l'activité physique est sécuritaire pour la majorité d'entre nous, puis il faut vraiment, vraiment essayer d'en faire un petit peu à tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'on est là avec vous, en collaboration avec Participaction, pour vous faire bouger en cette période particulière. Donc, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, c'est une pause active sans limite. Donc, c'est une pause active dans laquelle on va travailler tout le corps avec des intervalles. Mais par contre, assurez-vous, là, c'est quand même assez intense habituellement, mais assurez-vous de bien respecter vos capacités, vos limites. Fait qu'on n'attendra pas plus que ça. On va commencer. Je vous parle de la musique. Ici. Et ici. Donc, on y va avec rotation d'épaule. Rotation d'épaule. On respire bien. On ouvre. Encore deux fois. Grande rotation. Et une dernière fois. Petite flexion de genoux. On balance les bras devant, derrière. Les bras sont détendus. Donc oui, on lève la main, oui, le bras lève, mais les épaules restent toujours basses. Petit rebond dans les genoux, très léger. Encore trois, deux, un, parfait. On va aller faire un genou, mais en croisé, et on redépose sur le côté. Genou en croisé, pour venir échauffer nos hanches aussi. Ouvre, croise, ouvre. Dépose large le pied. Hop. Hop, et là, on va rajouter une rotation. Donc, on ouvre large vers l'intérieur et on fait la rotation. Même chose de l'autre côté. Large. Donc, on dépose vraiment bien le pied très large au sol. On entre le genou vers l'intérieur et on ouvre. Encore deux fois. Et un. Parfait. On va aller faire un talon-fesse bien régulier. Donc, on ouvre large les jambes, talon-fesse. On fait une poussée vers l'arrière avec la paume de main. On respire. Encore pour 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On marche sur place. On va aller faire 3 pas. Un kick, jambe tendue devant. 1, 2, 3. On lance la jambe devant. Et lance. 1, 2, 3. C'est. Hop. Jambe tendue pour aller vraiment faire un étirement dynamique de l'arrière de la jambe. Hop. Mais on n'exagère pas non plus, hein? On respecte ses limites, sa capacité d'étirement. On ne veut pas que ça donne un coup, que ça tire trop fort. On respire bien. Hop, encore deux fois. Un. Et deux. Et on va aller faire un jumping jack pointé. Ouvre les bras, pointe sur le côté avec le pied. Un petit peu plus vite. L'ouverture des bras, on essaie vraiment de garder la paume de main vers l'avant. Pour ouvrir la cage thoracique, pointe, pointe, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va venir tenir notre genou dans les armes. On pourrait se tenir sur un meuble, sur un mur et on fait la rotation de la cheville dans un sens. On travaille notre équilibre. On pourrait garder une main aussi pour s'aider dans l'autre sens. On respire. Et on dépose. La même chose de l'autre côté. Donc, on s'appuie si c'est nécessaire. On tient le genou avec une ou deux mains. Rotation de la cheville. Dans un sens. Dans l'autre. C'est merveilleux. C'est ça qui termine notre activation. On va être prêt à commencer notre partie un petit peu plus cardio, un petit peu plus intense. C'est musculaire aussi. On a 4 exercices qu'on va faire 3 fois. Idéalement, si vous pouvez avoir une surface surélevée, ça pourrait être un bar de sofa, ça pourrait être un pouf, un comptoir, ça va vous aider. Sinon, le mur peut faire aussi le travail. Et pour y avoir aussi un objet comme une bouteille d'eau qui va pouvoir vous aider pour notre premier exercice. Donc, notre premier exercice, vous êtes prêts? Jambes larges, on va aller faire un squat touchdown, donc on va être touché vers le sol. C'est pour ça que l'objet peut être utile, qu'on n'ait pas besoin d'aller jusqu'au sol si vous trouvez que c'est trop difficile. Donc, on y va. Pousse vers le sol. On plie bien les genoux. On pousse les fesses vers l'arrière. On touche le sol ou l'objet qui est devant soi. Et on pousse les bras vers l'avant.
ou vers le ciel. C'est parti. Descends, touche en haut. Descends en haut. 3, on en fait 10 comme ça pour commencer. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Marche sur plage, je vais tasser ma bouteille pour m'en faire gérer. Parfait. Pour le prochain exercice, c'est là qu'on a besoin de notre plateforme surélevée. Donc, un bord de comptoir, un mur ou un pouf ou un coussin. Dans mon cas, je vais utiliser le pouf. Donc, les jambes bien allongées. On va chercher la position planche. Bien important, pas de fesses sorties, pas de fesses rentrées. On serre le ventre, OK? On travaille nos muscles abdominaux bien droits et on tire le coude sans faire de rotation du tronc. On garde les hanches bien droites. 3, on respire. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se redresse. On marche aux places. Donc, vous pourriez aussi le faire au sol, cet exercice-là. Aucun problème. Notre prochain, les bras, coudes à la hauteur des épaules. On va faire 3 twists. Twist d'un côté, c'est très important d'engager les abdominaux. Donc, 1, 2, 3 et on lève le genou. 1, 2, lève. 1, 2, lève. Ça fait 2, 3, 4, serre le ventre. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on continue avec le même côté cette fois-ci. 10 levées de genoux, coudes et on contracte les abdominaux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va faire de l'autre côté. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, un mouvement qu'on a déjà fait, jambe largeur des épaules. On va aller faire une fente arrière. On va porter une jambe derrière. Je vous l'explique comme il faut pour la première série. On s'assure de ne pas avancer le genou quand on fléchit les genoux. On descend vers le bas. On rentre le nombril. On bascule les hanches. Très, très, très important. Donc, le dos reste droit. Vous n'avez pas besoin de descendre très bas. Ça dépend de vos genoux. Descendez moins bas s'il y a de la... pour qu'il n'y ait aucune douleur. OK? Sinon, vous pouvez aller plus profond. Il n'y a aucun problème. On ramène le pied au sol et on change. On ramène le pied au sol et on change. Et pour ceux qui veulent rajouter un petit peu de difficulté, on tire le genou. Tire. Descend. Change. Tire. Donc, vous pouvez simplement déposer le pied au sol. 3. On change. 4. Assurez-vous d'avoir une belle posture lors de la descente. 5. 6. 7. On lâche pas. 8. 9. Et 10. Et là, on a fait une fois la boucle de 4 exercices. On a 30 secondes de jogging sur place ou de petits pas dansés. Donc, on peut se laisser aller dans son salon. Un petit 30 secondes. Avancer, reculer sur les côtés ou juste jogging sur place. Très léger, ça peut être juste décoller les talons. Un petit peu plus dynamique pour ceux qui veulent. 3 petits pas, j'aime bien celui-là. On relâche, on se détend, mais c'est encore cardio un petit peu. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on recommence. Jambes largeur, un petit peu plus large que les épaules. Les genoux bien alignés et nos squats. Touchdown, c'est parti. Descends, bras au ciel. Descends. 3, 4, 5. Respire bien. Vous pouvez amener les bras devant aussi, hein? Je vous l'ai proposé, mais faites ce que vous pouvez. On alterne la main au sol. J'ai oublié mon compte. On en fait un dernier. Et un. Et on va aller faire maintenant la planche avec la tirade du coude. Choisissez la surface qui convient le mieux pour vous. Barre de comptoir, mur ou pouf ou sol. Tire. Les hanches sont fixes. 2. 3, rentre le nombril. 4, on respire. 5, on vient vraiment serrer l'omoplate derrière. 8, 9 et 10. On revient.
Les twists, les bras, coude, hauteur des épaules. C'est parti. 1, 2, lève le genou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Serre les abdominaux. 3, 4, 5. Serre le ventre. 6, on sent très bien les muscles. 8, 9, 10. Et 10 d'un côté. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De l'autre côté. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Notre fente. Ça sort d'une belle posture. Jambes arrière. On descend. On peut ramener. Égal. Ramène. Et ceux qui veulent, les bras dans les airs. Et on lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'oublie pas le dos droit. 7, 8. Let's go. 9, yeah, et 10, ouh. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On danse, 30 secondes, danse ou jogging, vraiment à votre convenance. Si vraiment vous êtes très, très fatigué, vous sentez un gros essoufflement, allez-y à la marche, des pas de marche tout doux pour récupérer. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On est prêt pour recommencer. Troisième série. Jambes larges et squat. Descends. Hop. 2. Hop. 3. 4. 5. 6. 7. Et là, c'est la dernière série. On va faire un petit extra. 8. 9. Et 10. On reste en bas. On reste en bas. Garde les fesses bien, bien alignées, les genoux bien alignés, les fesses vers l'arrière, les poings près des épaules. On garde la position et on punch pour 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Deuxième exercice, la planche. Choisissez votre surface. Deux mains. Les mains sont sous les épaules. Le corps bien droit. Jambes largeur des épaules. On tire le coude. 1, 2, serre l'omoplate. Serre le ventre. Bouge pas les hanches. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, bien sûr, on fait un petit spécial. On redépose la main. Et là, on va ouvrir, on tourne le corps. Tombe vers le ciel. Une belle rotation, on maintient. 2, 1. Et on s'en va de l'autre côté, la même chose. Main bien en appui au sol. Sous l'épaule et on ouvre. Rotation. Main vers le ciel. On respire. Et on relâche. On revient. On va être rendu à nos twists. Donc, attention. 1, 2, lève le genou. 2, 3, 4, 5, 6, serre le ventre. 7, 8, oups, 9 et 10. Et là, on y va avec 10 d'un côté. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De l'autre côté, même chose. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Il nous en reste un, la fente arrière. On lâche pas. Fente arrière. Descends. Étire le genou vers le haut. On change de pied. Descends. Tire le genou. Let's go. 3, 4, l'autre jambe. 5. Allez. On donne vraiment un élan vers le haut avec le genou. On respire. 7, 8, 9, on lâche pas. Et 10, et là, un petit extra encore une fois, un petit extra pour la fin. On descend en fente. On descend. On y va pour 5, 4, 3, 2, 1. On ramène l'autre jambe, même chose. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et là, je pense qu'on a le temps encore pour un petit extra, juste pour finir ça. On s'en va au sol. Et on va tenir notre position en soulevant les pieds, bateau.
ou les pieds au sol. Vous choisissez. Et on va aller pour 10 abdominaux. En fait, des rotations. Russian twist. On tourne d'un côté, tourne de l'autre. Avec les pieds au sol ou les pieds surélevés. 4, 5, 6, 7, désolé pour ça, 8, 9 et 10. Parfait. Ça termine notre séance. J'espère que vous avez bien travaillé. J'espère que vous avez apprécié aussi. N'hésitez pas à nous écrire des commentaires. On est toujours bien heureux de ça. Puis sinon, ben, on se voit la prochaine fois. N'oubliez pas qu'il y a toujours l'application Participation qui est disponible et le site web de Move50+. Ça termine notre journée. Ça termine notre pause active. À la prochaine!